Bon matin et bienvenue dans cette nouvelle journée. Vous êtes bien sur Catalan Radio, la radio autoroute qui s'écoute au réveil pour se réconcilier avec le reste de l'année quand sonnera cette horrible alarme d'iPhone qui s'appelle Ricochet. Une sonnerie que personne n'a jamais choisie pour se réveiller depuis l'iPhone 1, mais c'est comme ça. Il y a de vieilles traditions qui ont la dent dure. J'en profite pour rappeler que le port du pantalon par les ladies à l'Assemblée nationale n'est autorisé que depuis 1973. Aujourd'hui, avant d'écouter le son du jour, un usager de Mappy qui imprime encore ses trajets nous indique qu'il a pris une belle photo de coucher de soleil, mais malheureusement, il a oublié de la mettre en pièce jointe en nous envoyant cette info. Ce qui nous fait nous rappeler de nettoyer notre objectif avant de prendre la photo, sinon elle sera grasse comme le front d'une meuf qui est en train de mentir. Et tout de suite, et ça n'est pas un mensonge, on s'écoute Alban, votre hôtesse d'accueil confort, c'est en exclu et c'est sur la Catalan Radio. Mesdames et messieurs, vacanciers, bienvenue dans votre hypermarché, habillé pour l'été. Retrouvez Alban, votre hôtesse confort à l'entrée de votre magasin. Alban se fera un plaisir de vous aider à trouver tout ce dont vous rêvez pour passer des vacances paradisiaques. Mesdames et messieurs, vacancières, vacanciers, bienvenue dans votre hypermarché, habillé pour l'été. Retrouvez Alban, votre hôtesse confort, à l'entrée de votre magasin. Alban se fera un plaisir de vous aider à trouver tout ce dont vous rêvez pour passer des vacances paradisiaques. C'était Alban, votre hôtesse d'accueil confort sur Catalan Radio, en exclu. Et avant de se quitter, deux déditons. La première, bonjour Sophie Marie. Moi, ma dédicace, ce serait que tu dises un truc autour du fait que j'avais oublié ma carte bancaire chez moi et que je me suis retrouvée coincée à la caisse un jour de grosse course sans aucun moyen de paiement. Belle journée. Ainsi qu'un second message de Léa cette fois-ci qui dit bonjour, je souhaite soumettre une dédicace à l'hôtel Baladin de Bartenheim qui a été démoli ce printemps. Et en même temps que la démolition de cet hôtel Baladin à Bartenheim, s'en vont bon nombre de mes traumas de post-adolescence. Donc on remercie les promoteurs qui ont racheté le terrain. Cordialement, c'était une déditon de Léa. Bienvenue dans cette nouvelle journée et n'oubliez pas, tout le monde relève la prestation de Aya à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, mais personne n'a fait de commentaire sur le fait qu'elle était en spartiate montante dorée qu'elle avait certainement achetée dans la galerie de la gare de Lyon qui ne se trouve pas à côté du Afflelou. Référence à l'épisode d'hier, à demain sur Catalan Radio, premier sur le buzz.